La prochaine, elle est un peu spéciale. C'est encore une reprise d'un artiste qui s'appelle Barcella. C'est une chanson à écouter, qui, de un, c'est rassurant hein, d'écouter une chanson. C'est mieux. Mais c'est surtout les paroles qu'il faut écouter. Cette chanson, elle s'appelle Queue de poisson. Comme tout à chacun, m'est bien arrivé de mesurer la bête. Le soir dans mon lit, lorsque j'avais 8 ans avec mon décimètre. Bien impatient de savoir si la nature m'avait bien gâté. À mon grand désespoir, je me suis aperçu qu'elle m'avait oublié. Il y a des choses qui font que la vie est parfois difficile et cruelle. Lorsqu'on est un garçon, on prend bien mal pour soi de n'être pas en règle. Moi j'aurais bien aimé un cigare de Havane et de gros abricots. Mais la réalité m'a donné une gitane et de petits noyaux. C'est pas grave, je le vis bien, ouais. Je n'en ai pas honte, c'est ma vie, mon quotidien que je vous raconte. Quelques années plus tard, les vieux mentons et les années collège. À la joue l'eau qu'on part en cours de natation de petits bouts de liège. Je me suis vu la proie des gamins de ma classe qui face à mon moineau se sont moqués de moi en déballant tout ce cachant son énorme corbeau. Je prétextais alors que la taille n'était due qu'à la teneur en chlore, à la température. Je n'ai pas convaincu. Depuis ce triste jour, on me colle un surnom, petit zizi tout court. Comprenez qu'avec ça, je passe pour un con. C'est pas grave, je le vis bien, je n'en ai pas honte, c'est ma vie, mon quotidien, mes belles rencontres. Et voici mon record, baccalauréat, soirée de fin d'année. Je me revois encore, le garçon maladroit, timide et réservé, assis sur une chaise, attendant d'être baissé, la fin du quart d'heure slow. Moi je crus à un rêve en voyant Miss Lycée m'adresser quelques mots. Salut, bah moi c'est Miss Lycée. Je ne t'emballe pas de télé direct, je ne viens pas pour danser. C'est qu'avec tes copines, on se pose une question. Est-ce vrai que tu as une minuscule épine au fond de ton caleçon? Trlarsouma. C'est pas grave, je le vis bien, je n'en ai pas honte. Mais bon là, tu vas trop loin. Laisse-moi te répondre. Mais enfin, t'es-tu vu, espèce de petite conne? La beauté de ton cul est inégale au reste de ta connerie m'étonne. Quand tu souris, on voit ton appareil dentaire. J'ai pas voté pour toi, je préfère la nature aux centrales nucléaires. Et vas-y chiale maintenant, fais couler ton fond de teint. Je te l'ai dit franchement, toi tu l'as joué Miss France, mais tu fais Miss putain. Va dire à tes copines que la réponse est oui. La taille de mon sexe reflète sensiblement leur niveau de QI. Mais c'est pas grave, surtout qu'elle vive bien. Il faut dire qu'elle n'en est pas honte, car c'est ma vie, mon quotidien, que ces langues de vipères racontent. Et voici qu'aujourd'hui, j'ai une vie publique et quelques comptes à rendre à tous ceux qui ont nui à la réputation colportant sur mon membre. Je menace publiquement de donner leur adresse et leur mensuration pour que la vie leur fasse, comme j'en ai fait le test, une queue de poisson. Merci.